pénonnante, comme on aime bien. J'aimerais aussi être paré à toute situation, mais il y a des limites physiques, non? Après, je vais peut-être voir pour rebaisser un petit peu le CPU. Là, je suis à 4900, enfin 4 GHz 9. C'est peut-être un petit peu trop encore. Avant, j'étais à 5 GHz. Donc, en tout cas, c'est pas l'overclock qui gêne, parce qu'avant 5 GHz, j'étais pas à 90 degrés. J'étais à 75-80. Donc, c'est bien que. C'est bien que y a un souci en plus, mais je vais peut-être le baisser un peu plus. Ah mais non, mais je suis ressorti. Mongoloïde. Je vais peut-être leur baisser peut-être un petit peu tout à l'heure. Je verrai. Le mettre à 4008. C'est quand même 1 GHz de plus que la boost clock classique hein, normalement. Et je pense que 4800 c'est suffisant. Parce que je ne fais pas de... pas de gros trucs. Là typiquement OBS me prend que 10% du CPU, le reste c'est le jeu, et encore le CPU utilisé qu'à 60%, donc j'ai encore de la marge hein. En vrai j'ai encore de la marge. Je voulais prendre combinaison Varun, j'en ai rien à faire. Il a lancé une grenade là. D'accord. Ok. Ok. Tout va bien. Je m'en fous du pistolet, je m'en fiche. Je veux surtout les munitions. Hippolyte. Parfait. Un petit peu de munition. Crédit. Alors. Hérétique au bûcher. C'est le bûcher. Pring, prong, prong, ping. Oh là. Micheline à l'assaut. Té-té-té-té-té-té-té. Attends. Crédit, cartouche, cartouche.
Un sac Varun, mais j'en ai rien à faire. Munitions, munitions. Grenade. Cartouche, cartouche. Argent lubrifiant. Je sais pas où il est. Ok. Alors le problème c'est vu que là on est full sang mental. Ok. Vu que là on est full, ça va être compliqué. On peut pas du coup se TP. Mais on a beaucoup de munitions. Alors pas de ça. Est-ce qu'on a beaucoup de munitions? C'est de notre fusil qu'on veut transformer en fusil de sniper. 1600 balles. Not bad. Ouais, on veut le transformer en fusil de sniper. Headshot. Ah, il a... Son bras ? Un sédatif, des crédits et des trucs. Formidable. Un morceau lourd, oui. On va récupérer un petit peu, hein, quand même. C'est par où? Allez par là. Ok, là faut sauter. Ok, ensuite faut aller où? Le GPS. GPS. Where I need to go? There? Bon, qu'est-ce qui me prend de la place? Un truc qui fait 50. Combinaison 1-1-1. Les armes. Bah, les armes, oui, mais des Panzani. En divers. Ah oui, j'ai tous les artefacts. Bonjour. Dans ressources. Oui, mais non. Dans les munitions. Ah, mais les munitions, ça pèse rien, en fait. Oh, putain, je savais pas. Je savais pas. Qu'est-ce qui bouffe le plus? Ah ouais, la tenue de Matteo, elle est... Elles sont comme 5 de 2 au moins. D'accord. Combinaison, bah ouais, mais bah oui, mais je veux pas lâcher mes armes, moi. Je m'ennuie avec le port. Le problème, c'est je sais pas où il faut aller. Et GPS non plus. Bon, on va attendre de récupérer. Alors, par là. Maybe. Call me maybe. Je ne sais pas où je vais. Ah, peut-être par là. La porte est fermée. Il faut être expert. Je ne sais pas où je vais. C'est pas par là. Peut-être par ici. Si j'arrive à sauter. Oui. Toute la galaxie n'a pas à tenir dans nos bagages, vous savez. Bah, le problème, c'est que... Il n'y a que des trucs bien. Kit de service Clio, oui, et puis les kits de soins. Ah, bah le GPS me dit par là. Ok. Let's follow the GPS. Ok, par ici. Mais il m'avait déjà dit ça tout à l'heure. D'accord. And now, je saute. Ok, je vais par là. Merci le GPS. Le GPS a trouvé une lucidité.
Le GPS est lucide. Ok, je vais où GPS? Tout droit? Il y a que par là de toute façon. Ok, maintenant GPS, je vais où? Par ici? Sans doute. Oui. I remember. Je donne du GPS, on va juste attendre un petit peu. Parce qu'après, il faut prendre le vaisseau. Le problème, en fait, c'est que du coup, là, j'ai trop de ressources. Sauf que du coup. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Par là. Par là. Let's jump. Let's jump, jump. Ah oui, c'est froid ambiant extrême du coup les conditions. Let's jump, jump. I won't believe forever. Un balai. Là-bas. La bonne arme. Du coup, si on veut une bonne mine de palladium, théoriquement, si on se pose à cet endroit-là, notre vaisseau se pose sur la mine. Donc ça peut être hyper intéressant dans le futur. En fait, c'est pour ça le mode New Game Plus où on joue du coup un Astrien. En vrai, il est cool, mais à partir du moment où t'as tout fait, parce que vu que tu reboot et que t'as plus rien, t'as plus tes mines et tout ça, bah en fait c'est bien si vraiment tu veux jouer une autre partie en étant Astrien. C'est pour ça en fait que la quête principale, en théorie, elle continue. C'est juste que c'est la quête où tu deviens Astrien, quoi. Et ça, moi, ça m'intéresse pas. Ça, moi, ça m'intéresse pas. Oui. Non, là on a une deuxième mission à faire parce qu'on en avait pris deux. Tuer la cible. Oh, Weatherford, on n'y a jamais été. Du coup, faut qu'on aille à Lunara avant. Après, l'inconvénient, c'est que du coup, on n'a plus de. Ouais. On va faire un truc. On va faire un truc. Parce que on nous demande de remettre des réservoirs de 3 HE et on n'a pas assez de soute. Donc, vous êtes vraiment la meilleure. vous êtes où? Voir et modifier les vaisseaux. Constructeur de vaisseaux. Alors, du coup, il faudrait qu'on rallonge de nouveau le vaisseau. Pour ce faire. Il faudrait soit qu'on l'allonge comme ça, soit qu'on l'allonge derrière. Derrière, ça pourrait se faire
Stadia. Ce bloc-là, tout ça. Non, pas tout le vaisseau, non. Ça, 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 ça. Peut-être l'astromoteur avec. Ce bloc-là, il faudrait le reculer de 1. En gros, faudrait faire ça. Ça, on l'enlève. Voilà. Comment on peut faire? Ça, c'est l'astromoteur. Ça, c'est le réacteur. Ça, c'est le moteur. Il faudrait, du coup... Comment on peut faire? Bah, là, du coup, devant l'astromoteur, on pourrait rajouter des réservoirs de 3 HE. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir lui, on aurait quand même 20, que 29 light years, quoi, du coup. Parce qu'on passerait de 210 à combien, du coup? Annulé. Si je laisse lui... Oui, de toute façon, ça ne changerait rien. 140 à 310. Donc on aurait un peu mieux, mais ça ne changerait rien. Au niveau du truc. Donc ça, du coup, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc du coup, on voulait rajouter des soutes. Alors, c'est dans quoi? C'est dans cargaison. On a la soute Stormax, par exemple. Stormax 40. À la base, on avait des blindés comme ça. Donc, on avait 190 de cargaison blindée. Est-ce qu'on peut avoir une cargaison blindée? Oh, putain, mais la Galiléon, elle est belle. Enfin, elle est belle. Ça va bien avec le truc, du coup. La Galéon. Et on est à 1200. Sachant que je vais en mettre de l'autre côté. Mais sinon, il y avait celle-là. La soute blindée Gamma... Gamma 1000. Mais ça fait 190. C'est comme l'autre en fait. Donc c'est nul. Elle est pas mal. Attends, si je la duplique. Si je la duplique. Tourner. On passe à 2600 de cargaison. Du coup. On perd en coque, on perd en porte-saut parce que forcément, on a des moteurs qui vont pas aller. Forcément. Forcément, forcément, il y a des moteurs qui vont pas aller. Parce que du coup, ça, si on le remet ici, on a un bloc qui va là. Lui, il retourne là. Lui, il va ici. Il arrive à le sélectionner. Voilà. Le problème, il y a l'astromoteur qui est complètement exposé, quoi. Et ça, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Si on met lui... Attendez. Si je mets ça ici et ça là, j'arrive à le sélectionner. Ça donnerait ça. Là, c'est juste niveau style. Juste niveau style. Ça donnerait ça. Mais du coup, il nous manque des moteurs. Il
manque des moteurs, c'est pas ce que je voulais faire en plus. Évidemment de la place, parce que du coup, oui, l'astromoteur, il a rien à foutre là, quoi. Il n'a rien à faire ici, l'astromoteur. Si je place le moteur ici... Là, évidemment, le problème, c'est que si je remets un moteur là, oui, mais en fait, ça va pas nous aider. Parce qu'en fait, ça va juste nous donner plus d'énergie à mettre dans les moteurs, mais du coup, ça va pas nous intéresser. Parce qu'en termes de mobilité... Après, eux, ils sont comment? Puissance 2, puissance 3. En fait, eux seraient peut-être mieux que les Haroun. En fait. Est-ce qu'on prendrait pas plutôt eux? Et j'en enlève un. On est à mobilité 89. Donc eux, ils seraient mieux que les Haroun. Par rapport à ce qu'on a. Par contre, les White Dwarf en comme ça, il n'y en a pas. Rang 2, ouais, il n'y a pas de rang 3 en White Dwarf sur le côté. Ah, t'as les Dune 41, mais classe B, donc on peut pas les faire. Nous, on est en classe A. Donc, ouais, du coup, on est plus lourd. Il y a quoi dans la vérif? Consommation excessive, ouais. Le moteur de vaisseau consomme trop d'énergie, réduire le nombre de moteurs. Ah oui, puis c'est plus cher par rapport au crédit qu'on a, c'est vrai. Bah là, on perd, de toute façon, on perd en mobilité, dans tous les cas. Dans tous les cas, on perd en mobilité. Bon, après, du coup, ça veut dire que lui, l'astromoteur, je peux le mettre au-dessus. En fait, ça c'est bien. J'ai juste regardé si on peut pas avoir une meilleure, un meilleur truc. C'est dans cargaison. Elle, elle est déjà pas mal. En vrai. Si je la duplique et que je la tourne. On est déjà à 1300 et on garde notre 100 de mobilité. On perd en coque. Ce qui est pas tip top. En vrai. On perd en coque. Mais. On est à 1300 de cargaison. Après. Est-ce que si j'enlève ça. Et au pire, on met une comme ça. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais supprimer ça. Et je mets une comme ça aussi. On est à 2150 de cargaison. 80 en mobilité. Mais on perd en coque. On perd en coque. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qu'on peut mettre qui nous rajouterait de la, de la coque? On peut mettre un moteur de freinage bâbord Nova. Ça rajouterait de la masse, mais ça ne rajoute pas de coque, quoi. C'est ça le problème. Il faudrait un truc qui nous rajoute de la coque, mais... Ouais, les habitations, ça rajoute de la coque. Mais pourquoi faire? Aucune idée. Un atterrissage, non. Les réservoirs de HE, oui. Oui, dans un sens, oui. Ça rajoute de la coque, mais ça rajoute de la masse et ça réduit la mobilité. Donc, c'est pas fou non plus. Ah, mais là, on perd, en fait, en portée de saut, du coup. Parce que c'est en rouge. Donc, on perd en portée de saut.
Des modules non fixés. On va recommencer. Annuler modification. On va recommencer. De base, on est à 27. On a 1020 de cargaison. On a 1020 de cargaison. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, on a... Oui. Ah oui, il faut juste du coup qu'on soit légèrement plus, quoi. Au pire. On n'a pas besoin de s'embêter avec énormément de trucs. Soute... au pire, on prend la soute... Hop, on duplique celle-là. On passe à 1700 déjà. Déjà rien que là, on passe à 1700. Après, il y avait le réservoir de HE qu'on voulait augmenter pour aller plus loin. Mais le truc, c'est que si on augmente le réservoir de HE, mais que on va pas plus loin... En fait, l'intérêt est limité, parce que là, on est toujours limité à 26. Donc oui, on a plus de carburant, mais en fait... Après, est-ce que c'est 26 en un seul saut ou en plusieurs sauts? C'est ça le truc. Parce que là, forcément, on perd en mobilité, mais... Comme je disais, si on modifie les moteurs, non, c'est pas ce que je voulais faire. Si on modifie les moteurs et qu'on passe sur du Dwarf 3003, on gagne en mobilité. Alors il y a deux erreurs, c'est que oui, il y a trop de moteurs, mais du coup on enlève lui et qu'en plus comme ça on est en dessous. Et il y a des modules non fixés. Donc ça, du coup, si je fais un petit coup de R, qu'est-ce qu'on a? Des modules non fixés. Où ça? Ça, il y a des modules non fixés. Alors ça, c'est le truc de la galère. C'est trouver les modules non fixés. Le vaisseau a des modules non fixés. Ah bon? Où, quand, comment, sur quelle étagère? Ça c'est bon, ça c'est bon, c'est fixé, il n'y a pas de raison. Ça c'est bon, c'est fixé, les moteurs sont fixés. Alors oui, on perd en coque. On perd en coque. Alors je sais pas où... On perd en coque et en mobilité, c'est vrai. Après, il faudra juste attendre que eux, on puisse les améliorer. Le truc, c'est que j'ai pas de réacteur meilleur, on est d'accord? Réacteur. Non, faut pilotage rang 3, du coup. Il y a ça, hein. Dès qu'on aura pilotage rang 3, oui, on pourrait. Et encore, on perdrait quand même en truc. Mais bon. Du coup. Du coup. Ah, le coût du vaisseau est supérieur au crédit. Ah oui, parce que lui, il coûte plus cher. On n'avait pas du tout ça avant. Après, sinon, au pire, j'enlève ça. Et ça. Ça coûte pas cher. Bon, on va changer de réacteur du coup. Au pire, on reprend lui. 60 000. Oh la vache! 60 000 le toroïdal quoi. Bon, on va prendre lui. On essaiera de récupérer de l'argent plus tard. Bon, du coup, c'est quoi le problème? Ah, des modules non fixés. Mais quels modules? Ça, c'est toujours chiant.
Ok. Bon bah là c'est fixé, mais avant c'était pas fixé. Ok. Voilà, comme ça, on a une plus grosse soute. Donc on va pouvoir tout de suite utiliser utiliser cette soute à bon escient. Pour pouvoir mettre les ressources qu'on n'a pas besoin de garder. Est-ce que je peux trier par poids? Oui. J'ai une foreuse. Obligé de lancer. Oh, mais ça c'est bien. Ok. Voilà, comme ça c'est bon. Et on a maintenant un plus grand réservoir de HE. Bon, on va aller faire notre quête du coup. On va aller faire notre quête. Riverford. Ben maintenant on peut y aller. On peut y aller d'un seul saut. Du coup, il faudra récupérer de l'argent pour notamment acheter ce fameux réacteur. Parce que du coup, c'est un réacteur qui va nous donner, je crois, 3 ou 4 points de plus, je crois que j'ai vu. Donc on pourra les mettre dans le moteur, on pourra le mettre dans la balistique. Alors... J'aurais pu examiner la planète avant. Le site d'atterrissage est prêt. Voyons au vert. Allez hop. Porter constamment cette combinaison ne me dérange pas. Mais on nous regarderait de travers en ville. C'est sûr. C'est pas là. Sniper? Sniper. Popopom. 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 Allez. Est-ce qu'il y a personne? Essayer de se mettre là. Bam. Bon, avancer un petit peu plus. Laboratoire de robot sec là. Ah, qui dit robot sec dit robot sec. Dit des robots du coup. Tourelle là. Warning. On a des robots. Oui. Ah, Andrea, bonjour. Non mais te mets pas devant moi par contre. Je t'aime bien Andrea, mais parfois on est de trop sur ce pylône. Allez.
Piou piou piou. C'est le tir au pigeon. Oui. Bravo. Il est où Jean-Michel? Jean-Michel. J'ai pas mis de, ouais, de grenade. Prévois. La mort vient d'en haut. Mais elle va pas atteindre le sol. Quand je m'élève si haut dans le ciel. Mais j'aimerais avancer en fait. Je peux avancer. Allô? Ok, non, c'est juste ma touche qui était pas reconnue. La mort vient d'en haut. Le cratère fourni unique, ça vaut toujours le coup de vérifier. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Le cratère est horrible. Très bien, Andrea. Je te suis. Ah oui, c'est un complexe comme ça. On va rechanger de grenade du coup. La grenade shrapnel. Piou 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 piou. Dos au mur assassin. Ça vaudrait le coup d'aller voir, à condition de ne pas avoir le vertige. Ah, c'est un Beowulf. Beowulf silencieux, tout ça, non. En fait, ça consomme les munitions de mon P90. Du coup, il y a un ordinateur, je sais, comme dans tous les trucs de cette station. Une mallette d'armes, mais j'en ai... Non, j'en ai pas... ni l'envie, ni le besoin. Mettre à jour les paramètres alliés ennemis, oui. Non, ça non. Et on active les unités. Comme ça. On a un soutien robot. Avec quelqu'un. Est-ce qu'on prendrait pas notre législateur? Ah, laisse-moi me recharger, s'il te plaît. Hop. Youhou. Il m'a fait peur. Kit de soin, oui. Ah putain, une caisse de munitions expert, quoi. Ça aurait été cool. Ah mais on a la munition en plus. Ok. Ah mais du coup, vu que je l'ai pas mis dans un truc, il faut que je le garde. Faut que je resélectionne comme ça. Ok, fier, non. Ils sont là. Et verra.
She's on fire. She's on fire, fire, fire. Pas la Zinedine. Soin. Ou pourquoi pas, oui, c'est vrai que du coup. Ah ouais, mais bon. Mais non, mais. Soin. Et. You. Come on. T'es saoulé, oui, surtout. Let's go, niveau 40. D'après mon expérience, les laboratoires de genre travaillent rarement sur des projets anodins. Un sac anti-balistique. La merde. Crédit cadran. Un sac légendaire. Pas top. Bien mais pas top. Ok. Et bah fabuleux. Fabuleux tout ça. Niveau 40 donc. Bah du coup combi spatial en vrai. Comme ça on peut rentrer et faire des modifs sur notre combinaison. Allez. Et comme ça, on pourra faire ingénierie d'avant-poste. Chimie, c'est drogue et autres, on s'en fiche. Astrophysique, si vous pouvez scanner toutes les planètes et l'une de ce système, et vous avez 10% de... Quoi? Et vous avez 10% de... Un trait lors du scan. Ah, en gros, quand on est sur un système, on appuie sur un bouton et ça scanne tout. Ah ouais. Ah ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est pas mal. Et là, pareil, ouais, les autres rangs, c'est intéressant. C'est-à-dire que t'arrives à un endroit, boum, tu scannes et ça scanne tout, même les systèmes qu'il y a autour. Ah oui, d'accord. Alors ça, en vrai, ça c'est Gucci aussi. Hein. Habitat planétaire, oui. Projets spéciaux, ça peut être intéressant aussi. Hein. Par ici, encore un passage. Aucune idée d'où il conduit. Bon, après, vu qu'on a fait les trucs, on va pas aller explorer plus que ça. Mais ah oui, ça c'est Gucci aussi. Hein. Bah attends, on peut se TP. On peut se TP. Ah, mais il y a un truc. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur cette planète là? Un avant-poste. Ouais. Ouais, allez au pire. On va aller voir. Ils ont peut-être une mission à nous donner, donc on va aller voir. Alors, ce canon. De l'argon. Ah ouais.
Perfect. On va aller voir. Toi, il nous donne des missions à faire. C'est... par là-bas. Allons-y. Ouais, ça m'embête ouais, que... la température du propos, quoi, c'est vraiment, ça m'embête un petit peu. Mais je vais peut-être le baisser à 4008. Même dans tous les cas. En fait, parce que je me dis, je me sers assez peu du CPU. Parce que là, typiquement, le CPU utilisé à 50%, donc avec Starfield qui tourne, plus le stream. Donc en vrai, le processeur n'est pas tant utilisé que ça. Je fais pas de montage vidéo sur cet ordinateur-là, donc du coup, c'est pas ça qui va me prendre le plus. Et le seul jeu qui utilise 100% du CPU, c'est Battlefield. Alors, à mon avis, pas pour les bonnes raisons. Mais il utilise ouais, 100% du CPU. Mais on est juste parce que c'est mal optimisé et ils en ont rien à foutre. Qui es-tu ? Quelqu'un est venu. Nous avons... Armstrong ! Un groupe de spatiaires en a après nous. Tout ce qu'on a, ils le prennent. Et maintenant, ils deviennent violents. Vous croyez que vous pourriez nous en débarrasser ? On n'en peut plus. Ils sont pas loin. Ne vous faites pas, je m'en occupe. Merci beaucoup. Faites attention à vous. La manœuvre de Armstrong. C'est où? C'est là-bas. Let's go. Mais ouais. De toute façon, je commanderai ça demain ou après-demain. Le tout pour l'avoir au moins lundi ou mardi. Et comme ça, on démontera tout tranquille. Je réappliquerai la pâte thermique, de la pâte thermique fraîche, on revissera tout et ça sera nickel. Et si vraiment ça change pas la température, bah c'est que c'était pas la pâte thermique et que c'est mon refroidissement qui est pas bon, qui a rendu l'âme pour x ou y raison. Et si c'est ça, c'est chiant, parce que c'est pas le même prix et c'est chiant. Le pire, c'est qu'au début du mois, alors début octobre, j'avais un problème de RAM. Ça a l'air d'être résolu. Le fait de désactiver en fait le XMP, tout a l'air d'être entré en ordre, dans l'ordre en fait. Donc du coup, je n'ai pas de problème de performance quoi que ce soit. Mais en fait, depuis que j'ai fait ça, et c'est ça qui est assez dingue, j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai fait ça. Alors on va dire, est-ce que j'ai touché un truc en démontant? Normalement non. Mais ou alors c'est juste une coïncidence et d'un seul coup ça a fait ça. Mais je pense que de toute façon changer la pâte thermique ça ne fera pas de mal, sachant que l'ordinateur je l'utilise beaucoup, pas de façon intensive, mais j'utilise beaucoup en termes de chaleur parce que il y a des choses qui sont faites pas niveau CPU, c'est plutôt la carte graphique, mais je pense que ouais, un bon 2 ans c'est déjà pas mal pour... faut que je change la pâte thermique à ce niveau-là, je pense. Ça fera pas de mal. Dans tous les cas. Parce que ça, c'est typiquement, ce comportement, ça me rappelle quand j'ai acheté l'ordi. Je l'avais déjà raconté. Ils ont... les gens qui ont fait l'ordinateur, qui ont monté l'ordinateur... ont oublié d'enlever sur le ventirad l'étiquette à retirer avant d'installer. Donc ça, typiquement ce que je vois, c'est le même comportement. Ce qui veut donc dire qu'il y a une mauvaise connexion entre le CPU et le
entre le CPU et la et le bloc. Donc d'où ça me fait penser à la pâte thermique. Là je regarde par contre c'est le comment dire, le meilleur pattern pour le processeur que j'ai. Parce qu'il y a des patterns, je sais pas si vous le savez, mais il y a des patterns pour appliquer la pâte thermique de façon optimale. Il y a des patterns. Et sur certains CPU, il faut faire une croix. Sur certains CPU, il faut faire un rond avec des points. Donc il y a un pattern précis pour être optimal. J'essaierai de le faire. Je crois quand je l'ai fait la première fois, je l'ai fait juste comme... Je l'ai fait juste comme ça et c'était tout. Mais là, on essaiera de le faire de façon optimale. Il y a une tourelle. On a de la compagnie. Ratissez la zone. Pas à moi. Vous avez entendu quelque chose ? Ouais, des gens parlaient. Ouais. On est juste là, en fait. Merci Micheline de les avoir tabassés à mort. C'était hyper utile. Caisse de stockage avancée, des mines. On va juste prendre les munitions. Il vise bien lui. Un sac de seau. Un sac de seau épique. Moins bien. J'ai combien de place? J'ai vraiment pas de place, ouais. Donc. Parce qu'avant, je prenais tout et n'importe quoi parce que je savais que je pouvais les vendre. Mais là, là, c'est pas par là, Zinedine? C'est par où? On rentre comment? Ah c'est ça, ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Here they are. On peut désarmer les gens quand on leur tire dessus? Première nouvelle.
C'est bien parce que du coup, oui, c'est une mission pour Grendel. Ça, c'est cool. Ok. Les cartouches, on s'éclate. Par contre, ça va être compliqué parce que là, c'est sûr, est trop difficile. Ah, il faut aller de l'autre côté. Oui, mais encore. Point. J'ai des grenades. Grenades à frag, ok. Tout ce que t'as, Titi. On va recharger. Donne tout ce que t'as, Titi. Lève ta tête. Vous croyez que ça fait mal? Bah oui, un petit peu, tu brûles quoi. C'est bon. Hello? Je te vois. C'est qu'une égratignure. Tu peux pas me battre. Je me casse. On va pas bien loin. Est-ce des balles. Quelque chose de valeur. Combinaison de reconnaissance. Ouais, mais du coup, c'est une combinaison de reconnaissance. Oui, non, mais voilà. Surtout que là, il faut qu'on retourne sur Terre pour pouvoir améliorer notre. Ah, il y a des ennemis quand même. Un Beowulf. Hein. Tantal. Ah, ouais, mais j'ai trop. J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. 44. Oh, bah, dis donc. Ah mais 12 tantales, oui mais du tantal, on pourrait en avoir besoin quoi. Les uniformes, c'est pas ça qui prend le plus de place. Évidemment, ce qui prend le plus de place, c'est les armes. Évidemment. Évidemment. Ah, Micheline. Micheline. Je pensais justement à vous. Vous voulez voir ce que je transporte? Eh ben moi aussi. Est-ce que tu pourrais, sans vouloir te commander, me prendre au pire ce fusil-là? C'est pas lui qui va me prendre le plus, mais ça peut aider. Ah, mais la découpeuse a fait 4 de trucs. Oh, wow. Ah, mais je sais pas quoi lui donner. Ah, mais après, je peux lui donner... Ah, mais il faudra pas que j'oublie de les récupérer. Pas que j'oublie de les récupérer tout à l'heure. Je suis abattu de vous voir partir. De toute façon, on s'en va. On est ensemble. De toute façon. Ah oui, mais il faut retourner au point de machin. Pour valider la quête. De toute façon.
Donc on va aller valider la quête. Après on retourne sur Terre. On modifie notre truc parce qu'on l'a pas fait. Excellent travail. Merci. Mais de rien. Alors, on sera toujours en danger tant qu'on n'en sera pas débarrassé. C'est parce qu'elle ne nous conduit plus d'ennui. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de la journée. Tenez, pour tout ce que vous avez fait. Merci encore. 3000 crédits. Du coup, on a combien d'argent là ? 22 000. Du coup, let's go, retournons sur Terre. Au Starfield Command, évidemment. Vivement la porte des étoiles. Hein. Je me prendrais bien un macchiato. Micheline. Ah, ma personne. Une bonne équipe se partage toujours les tâches. J'aimerais récupérer les ressources que je t'ai données. Faites attention à vous, mon amour. Aucun souci. Alors, du coup, combinaison spatiale. Le sac. Réserve d'oxygène. Ah, faut mode de sac 2. Ah oui, mais en fait, mais du coup, oui. Tant qu'on n'a pas de toute façon amélioré ça, on peut pas. Équipement. Maintenant, on peut. Mode de combinaison. Ok. Ça, on peut pas parce qu'il faut rang 2. Mode de casque. On peut pas faire genre tout faire. Ah, il manque du titane. Et mode de sac. Titane, bon. Avant-poste, il n'y avait rien, oui, parce que du coup, il faut ingénierie d'avant-poste pour avoir ça. Et après, il faudra zoologie si on veut domestiquer et si on veut faire de l'horticulture. C'est vrai qu'il y a ça, il y a botanique rang 1 qu'il faudra. Alors, du coup, combinaison spatiale. Alors, réserve d'oxygène, en vrai, c'est vrai qu'on pourrait l'installer. Moi aussi, je préfère les modifications personnalisées. Médecine. Médecine, les objets de soins rendent des points de vie supplémentaires et guérissent plus simplement. À mise, les soins d'urgence quand les points de vie sont faibles, mais je peux pas le faire. Ça, en vrai, why not? Un jetpack équilibré. Par défaut. Ok. Le casque. Ça c'est mode de casque 2, mode de casque 3, mode de casque 3. Ouais. Ok, bon, ça on s'en fout. La combinaison. Ça on peut, mais vu qu'on a ça installé, on peut pas le changer. Ouais, bah du coup, il y avait pas grand chose du coup. Est-ce qu'on a quelque chose en cuisine à faire? Ah oui, fibre et eau distillée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Ressources, on a ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait qu'on pouvait faire? Labo pharmaceutique. Pâte antibiotique, ça peut être intéressant. Bonjour. Ok. Voilà, c'était pour remonter. Bah, ça, du coup, c'est vrai qu'en fait, je viens de penser à un truc. Je viens d'y penser. En fait, ce qu'on avait construit pour l'armillaire, ça sert plus à rien. Typiquement, la tourelle qui était là. Au pire, on peut la mettre là. Ça, on peut l'effacer. Ça aussi. Et au pire... On fait juste ça. Ça, on fait juste un truc comme ça, et l'idée peut-être ça serait que ah ouais, bah ça peut être ma chambre, ça, parce que là on avait mis un truc militaire, mais là c'est que des petits trucs. Bah, c'est vrai que notre chambre elle pourrait être là, on a la vue sur le vaisseau, la vue sur le vaisseau de fer, la vue sur le vaisseau d'aluminium. En vrai, là c'est pas mal. Après, je sais pas si j'ai assez de trucs. Mobilier. Faudrait faire un lit double. Ah, ressources manquantes. Ah, faut des structures. On peut faire un lit chirurgical. Lit de camp. Bah sinon on fait au pire deux lits classiques en fait, au pire. Si j'arrive à les mettre. En attendant. Si j'arrive à les mettre, à le mettre bien. Parce que vu que c'est à la souris, hein, c'est vrai que c'est une super idée. Bon, bah, ça sera comme ça. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le cadeau d'engagement, la fameuse dague. C'est vrai. Un moniteur mural. Si on veut regarder la télé. Voilà. Un super tapis. Un peu comme Bernard. Hein? Nettoyeur de rue, quoi? Desserte. Chariot de métal. Chariot médical. Chariot de ménage. Machine à diagnostic juste à côté. On dirait pas du tout un cordia. Un hôpital. Ah, en vrai, oui, on pourrait mettre le tabouret comme si c'était des tables de chevet. On va juste pas être tenté de s'asseoir dessus, quoi. Et après, on peut mettre un superbe canapé ici. Ah ouais.
Ah oui, une console de navigation, c'est hyper important. J'avoue. Ah oui. Ah mais ça, ça peut être en bas, ça. Ça semblerait logique. Que ce soit en bas dans la salle principale, vu que c'est là que, on va dire, tout le monde un peu travaille. Bon, à voir. Bon, un mural, on avait déjà mis un frigo. Bah ça, le frigo, ça va aller dans notre cuisine, évidemment. Vous connaissez la dague, hein? Ah, mais je suis con, la dague, elle peut aller sur une des tables de chevet, évidemment. C'est mon lit, connard. Ah bah oui. Mince. D'accord, je peux pas interagir avec. J'aurais pas dû mettre un tabouret en guise de... C'est ma chambre en fait à la base, mais bon. On en est où? 2h16. Bon, en fait, on va peut-être s'arrêter là. 2h16 de VOD. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va peut-être attendre avant de faire ça. Bon, du coup, on a notre maison, notre chambre, du coup. On aurait pu à squatter en bas. Ah, il y avait un Zélote Varoun. Vous savez ce qu'on va faire? Même si on n'a pas dormi. Faire ça, on va les revendre. On va les revendre. On a fait un petit peu d'XP. Ah. Avant de mourir. On a fait comme ça un petit peu d'XP. Parce qu'en gros, c'est ça un petit peu. Hein. Vous voulez XP vite, bah vous faites ça en boucle. En ayant dormi au préalable. Parce que ça vous donne un boost d'XP. Non, nous allons partir immédiatement pour vendre des trucs. On va aller à Alpha du Centaure et on va les vendre directement à la New Atlantis. Comme ça, on est déjà à moitié de niveau 40. Donc on verra bien. Sachant que du coup, comme je disais, jeudi et vendredi, donc demain et après-demain, on va pas... Enfin, demain, ça sera du Zelda. Et après-demain, ça sera aussi du Zelda, histoire qu'on termine... Hey, que puis-je faire ? Histoire qu'on termine tout ça. Bon. Allez hop, 1000 balles. Et puis en plus, du coup, de toute façon, le tantal, ouais, ça vaut 3. Viande de quarks, ressources organiques exotiques, oui. Qu'est-ce que j'ai dans divers? Ah, la tirelire antique, il faudrait qu'on mette quelque part, ça c'est pareil. Hein. Faudrait qu'on voit pour les placer, hein, tout ça. Hein.
Qu'est-ce qu'on a comme objet de soin trié par valeur? On va tout vendre. Je voulais pas, mais je me dis, bon, allez. Ah, mais des pièces de vaisseau, j'en ai. C'est juste qu'il faut que je les mette dans le vaisseau, du coup. En fait. Je sais que les trucs, je vais jamais les utiliser, donc. Et vu que c'est juste du soin. Soin aux dépendances, ouais. Trousse de secours, wiki d'urgence, oui. Bioacide. Boacide. Bioacidé, putain. Je vais en vendre un petit peu. Pas toujours ça. Ah bah attends. Ah non, lui il a peut-être pas de bon réacteur. Je sais pas combien ça coûte le nouveau réacteur. On va essayer d'aller voir ça et après on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. Hop. Retournons sur Terre. Starfield Command. La compétence box améliore les dégâts d'attaque à main nue. Ah oui. Du coup, il coûtait combien du coup le réacteur? Donc j'enlève le Stellator et je mets à la place le toroïdal. 30 000! Ah, donc, du coup, 26 000. Putain, il manquait 1000 quoi. Ok, annuler mode. Et bah, on verra ça du coup la prochaine fois. Prochaine fois qui sera donc du coup la semaine prochaine. Donc, de toute façon, sur YouTube, les VOD arrivent toujours à un rythme constant parce qu'on a de la marge en fait. Donc, vu qu'on a de la marge, ça va. Mais du coup, on fera donc du coup du Zelda demain et du Zelda vendredi, tranquillement. Là, juste après, je vais voir pour réduire un petit peu le CPU. Hein, on va voir. Mais ça m'embête. Mais. Enfin, ça m'embête. Je suis quasiment sûr que ça va rien changer parce que c'est juste la pâte thermique qui doit être Bezax, je pense. Donc on verra bien. En tout cas, donc du coup. Demain et après-demain, on se fait du Zelda, histoire donc du coup de continuer et de terminer surtout Zelda Phantom Hourglass. Comme ça, si on peut commencer Spirit Tracks la semaine prochaine, c'est cool. Nous, du coup, on continuera donc du coup Starfield mercredi prochain. Et après, bah, du coup, si on commence Spirit Tracks, on verra si on fait deux Starfield ou deux Zelda. Mais je pense qu'on fera peut-être plutôt deux Zelda quand même. Et on reprendra peut-être Starfield, si vraiment on avance bien et si vraiment tout va bien. Je pense qu'on fera peut-être ça. Sur ce, j'espère que ce stream vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, au compte Twitter, Maître02Stream, pour être notifié notamment des lancements de live, du planning, etc. Nous donc du coup on se retrouve comme je disais demain à 20h30 pour du Zelda Phantom Hourglass. N'hésitez pas évidemment aussi à follow la chaîne Twitch, très important aussi, et d'activer la cloche pour être notifié des lancements des lives. Moi je vous souhaite de passer une agréable nuit, une très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez cette VOD en journée évidemment, et moi je vous dis donc du coup à demain 20h30 pour du Zelda et à bientôt sur YouTube évidemment. Portez-vous bien et à demain. Allez, ciao !